It has now been confirmed that a chemical weapon was used in an attack on a Damascus suburb last August. This triggered intense diplomatic activity and, in less than a month, the international community obtained a commitment from the Syrian president to destroy the country's chemical weapons stockpile. The MSF team based in the Aleppo region shared their thoughts with us. Le coordinateur du projet à Alep ainsi que le reste de l'équipe a proposé de faire un article pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la population de Ghouta à Damas et aussi vis-à-vis de la population en général en Syrie qui subissent des bombardements quotidiens. Et massivement, on trouve qu'il y a une situation absurde. D'un côté, il y a une communauté internationale, et notamment la Russie, qui est capable d'imposer au gouvernement syrien la destruction de leur arsenal chimique. Mais en même temps, cette communauté internationale, et notamment la Russie, est incapable d'imposer au gouvernement syrien l'acheminement de l'aide humanitaire dans le Ghouta à Damas, où il y en a des dizaines de milliers, où il y a des dizaines de milliers de populations qui sont bloquées sans assistance humanitaire. While the chemical weapon attack in August did take the horror to a new level, recent diplomatic negotiations barely touched on the issue of aid for the Syrian people. Depuis le début du conflit, le gouvernement syrien bloque toute aide humanitaire régulière, en tout cas, qui passe par Damas vers les zones sous contrôle de l'opposition armée, notamment dans les gouvernements de Alep, Idlib et Raqqa. MSF est l'un des acteurs rares qui travaille dans les zones contrôlées par l'opposition et qui tente d'assurer l'accès aux soins général et global à cette population qui vivent en zone rebelle. Mais MSF ne peut pas prétendre qu'on couvre le besoin médical de toute cette population. Across the border in neighboring countries, a further 2 million Syrian refugees also rely on humanitarian aid.